Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous avons un évangile court pour ce calendrier de l'Avent. Alors je me permets de le lire dans son ensemble. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Alors, le commentaire d'aujourd'hui va être très bref. J'ai longtemps travaillé avec un prêtre qui aimait dire que les mathématiques juives sont complètement différentes de nos mathématiques. Dans le texte 100-1, ce n'est pas 99. Il faut comprendre le texte comme 100 moins le 1. C'est-à-dire, il nous reste 2 zéros. Il ne reste plus rien. Dieu ne peut pas se permettre d'en perdre un seul. C'est un texte qui nous redit l'importance capitale que chacune de nous a aux yeux de Dieu. Alors, en se sachant aimé personnellement de Dieu, prenons le temps de se réjouir et de confier notre cœur à Dieu. Et bon avant à chacun.